Chers amis, bonjour. Nous sommes aux Danses avec les mots 45. Bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une performance interactive où il s'agit de me proposer les mots dans ma vidéo live, donc en direct, et je vais les danser pour vous. Et je ne vais pas les danser en silence, je vais les danser tout en les prononçant en même temps. Je vais donc interpénétrer vos mots et mes gestes en une phonésie, une pratique performative que je développe depuis un moment. Et après le déconfinement, avec le déconfinement, on a passé donc à une semaine, une fois par semaine, donc tous les lundis à 20h30, j'invite chaque fois maintenant quelqu'un à partager le live avec moi. Et aujourd'hui, c'est un ami de très longue date, un peintre russe qui s'appelle Kirill Milavidov. Je vais l'inviter tout à l'heure dans l'écran. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui dessine depuis toute sa tendre enfance et qui le fait très bien. Je le considère comme un vrai peintre puisqu'il a toujours fait ça, je l'ai toujours vu dessiner des croquis plus ou moins tout le temps. Voilà, donc Kirill Milavidov, il habite à Paris depuis une vingtaine d'années et voilà, c'est un ami peintre. Alors je vais dire bonjour à tout le monde. Stéphanie, bonjour ma chère. Flo, bonjour. Alors Flo, il a proposé aujourd'hui une chanson de Björk que je vais intégrer et un tableau comme ça, que je vais intégrer sûrement aussi une fois si je n'oublierai pas. Flo, bonjour Anatolie, bonjour Muriel, bonjour Christian Hubel, bonjour Stéphanie Richard, Muriel, Camillo, Johan Lavanille, salut Muriel, coucou, oui ma chère. Bonsoir Muriel, j'espère que tout va bien je pense aussi. Alors, donc, on va inviter Kirill, mon cher ami Kirill. Donc là, on va l'intégrer. Alors, pense déjà à... voilà, Kirill. Bonjour. Salut. Salut Anatole. Salut Kirill. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui encore, vous êtes chez les Russes, un peu comme le fois dernier, c'était avec Stanislas. Bah, aujourd'hui, c'est avec Kirill. Moi, comme je suis aussi, j'étais russe il y a longtemps, j'ai quand même une petite partie russe en moi. Et donc, on partage avec mon cher Kirill, ami. Voilà, donc, chers amis, réfléchissez aux mots. Vous pouvez nous proposer des mots, vous pouvez aussi nous poser des questions. Peut-être des questions sur votre vie. Et je vais vous répondre un peu comme un oracle, voilà, mais avec la phonésie, donc c'est une petite particularité. Et puis peut-être les dessins de Kirill, vous allez voir, c'est les dessins assez particuliers. Voilà, peut-être aussi ça va vous répondre à vos interrogations. Alors, donc vous pouvez proposer des mots, vous pouvez proposer aussi quoi, des slogans politiques ou des poésies, ou vous pouvez faire la poésie en direct, comme faire Muriel, que vous allez voir, c'est une communiste Kalachnikov et la rose avec la poésie comme Kirill avec ses gouttelettes d'eau qui partent du ciel. Voilà, premier mot. Stratosphérique. Oh Stéphanie, donc Stéphanie, c'est l'Italie. Hein. Elle nous rejoint depuis l'Italie. Alors, stratosphérique, phonésie 1, stratosphérique. Allez, on y va. Tô.
Et voilà la première phonésie. Alors, mes chers amis, j'espère que le son va bien parce qu'on avait des petits problèmes de son la fois dernière. Voilà, donc s'il y a des problèmes techniques, vous me le dites en vidéo live. Oh, Louve Vlasova, ma chère, tu dors pas encore, super, moi je t'adore. Alors, Dorothy, bonjour ma chère Dorothy, tu vas bien? Alors, proposez-nous des mots, des questions, posez-nous tout ce que vous voulez. Alors, Muriel, penses-tu que je suis une goutte de rosée, une proie? Je pense que tu es les deux, surtout pour des insectes carnivores, voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, après, c'est à toi de choisir. Alors, si tu es une proie ou une goutte. Bah, d'ailleurs, je vais faire une phonésie pour toi. Une goutte proie. Ah, surtout que Kirill travaille beaucoup avec les gouttes, si j'ai bien compris. Alors, donc, phonésie 2 ou 3, je ne sais plus. Goutte rosée ou une proie? Voilà, une question de Muriel, est-ce que je suis une goutte de rosée ou une proie? Est-ce que je suis une ou un? Est-ce que je suis une goutte? Est-ce que je suis une goutte? 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 Johan la vanille, Ilotana. Alors là, quel mot! J'espère que tu sais toi-même ce que c'est comme mot, Ilotana. Très bien, on va le faire. Sarah, bonjour ma chère, je propose abnégation. Très bien, alors abnégation, Ilotana. Allez, phonésie 4, abnégation, Ilotana. Il l'a
le rouge sang. Le rouge sang. Alors, Muriel, le merle russe, mon cœur, le merle russe, mon cœur a l'air de stratosphère dans toute sa splendeur bleue, fluide, la crasse baritone se lève tôt dans les sphères du monde et la Kalachnikov voit des laboureurs motorisés avec des yeux d'or frais vibrants. Si, 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 ça vibrationne, ça vibra, vibrationne, ça vibrationne, Jessica, bonjour ma chère Jessica, Jessica, coucou, tchouti, Dorothy, mur, quelle tache, tache, verte, tache, verte, verte, monte à l'eau de l'enfance, bout à bout, ma ma vie s'enfuit, terrible, c'est terriblement, c'est terrible, c'est terriblement en attendant l'oracle de la France. Putain. Est-ce que je, Muriel continue, est-ce que je suis un jeu ou un jeu? Est-ce que tu te noirais dans la question ou dans la goutte de péril qui goutte à goutte, oh qui goutte et goutte, oh là là, qui goutte et goutte, la dispersion et l'extension sur la plaque lisse d'une existence qui se reflète en elle-même, regarde de la stupeur, oracle ouvert, ou vert, or, or, oracle, oracle ouvert, vert, oracle, est-ce que je suis un J, E, U, que du plomb, du pilon, du fil, à la pile, à la pile, ou pas, est-ce que, or, à part. Alors, je remets une petite, voilà, comme ça, je pourrais reculer un peu. Oh là là, alors, je continue. Johan, Ilotana, c'est Anatolie, mais à l'envers. Oh, mais bravo, merci Johan, mais c'est génial. Ilotana, c'est Anatolie, tu as crypté mon prénom. Bravo Johan, enfin merci en tout cas, ça me fait plaisir que tu m'as crypté. Oh, super, donc. Merci. Muriel, il l'Ohana. Mais pourquoi? Ah, le sang gicle, les ouvertes vibratoires, je hurle sur le sang perdu des abnégations qui planent dans le ciel cindré de douleur. Un ange presque ondulatoire y vole dans un retarde qui a perdu l'inconscient qu'il voulait dessiner. Embrasser l'arc-en-ciel. Laurent Boutin, bonjour. Alona Stalonnikova, здравствуйте. Вы можете нам давать слова на русском или на французском или на каких-то греческих языках? Милости просим. Даша Анцева. О, друзья, Даша Анцева нам дает треугольник, триангл, ромб. Et un petit flèche. Allez, on va faire ça. On va interpréter non plus à partir des mots, mais à partir des... À part...
partir des signes triangle, rond et une flèche. Donc, phonésie 5. Un triangle en flèche, flèche rond. Flèche rond, un triangle, flèche, flèche, triangle, rond, rond, flèche, rond, un triangulaire, redemont, flèche, flèche, rond, un rond. Le rond et la flèche, et les faux furieux. Est-ce que le corps est un rond? Est-ce que le corps est un rond? Est-ce que le corps est un rond? Est un rond ou triangle, être angle. Ah, Muriel, ta crache du côté de Cyril, les derniers gouttes, peut-être les passives, pendant que la bouche danse des cercles et des spirales jusqu'à l'obscuration d'un bacon fermé. Laurence Randini, bonjour. J'espère que vous allez bien. Maria Mitarieva, здравствуйте. Вы тоже можете предложить слова, которые хотите на русском. Mathias Hermann, bonjour. Vous aussi, vous pouvez proposer les mots en russe. Louva, la sova. Je propose bouillon, bouillonnant. Allez, très bien. Bouillon, bouillonnant. Louva Vlasova propose bouillon, bouillonnant. Allez, on va faire le bou. Bouillon. À la bouille, ah, ta bouille, tellement bouillée. La boue de tes bouts, bouille, ma bouille. Muriel, oracle, hors de l'oralité, hors ouvert de l'oralité qui tâte, qui s'étire, s'espand, s'écorche en lui-même pour fuir le lys par la couleur qui fait tache d'huile. C'est beau ça, tache d'huile. Allez, on va faire tache d'huile et la musique de Björk qui a été proposée par Flo Flo. Allez, Björk. J'espère que le son, ça va. Ça va être un peu haut. Alors, tache d'huile. Avec Björk, Flo. Ta, 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 ta,
J'espère que vous avez entendu quelque chose. Je crois que mes enceintes de mon ordinateur ne sont pas terribles. Stéphanie, consensuelle, Laurent, bonjour. Très bien, consensuelle de Stéphanie. Dorothy propose, je propose rougir en zone bleue. Hein, Kirill, t'entends? Rougir en zone bleue. Oh, je pense que tu étais inspiré par Kirill. Hein, je pense tout à fait. Je suis d'accord. Alors, consensuel, rougir en zone bleue. Allez, je mélangeais Dorothy et Stéphanie. Consensuel, rougir en zone bleue. Phonésie 7, je crois. On n'est pas très loin de la fin, chers amis. Alors, rougir en zone bleue, consensuel. Un rougir. Anita Olsen, bonjour chers amis. Muriel, oh la petite fleur rouge, si douce, il frêle dans sa tache verdâtre ou verte d'âtre pour retrouver la maison et le grand là qui géométrise en compensation pour équilibrer les deux côtés de l'image de ce à quoi se résume pendant 20 minutes notre monde. Un rond dans l'eau, mais le bacille phosphorescent essaie de rejoindre le sang, bientôt absorbé dans le rouge et le vent d'orgue agité d'anatomie. Oh, Muriel, c'est beau, merci. Lydia Vlasova de Moscou, bonjour ma terre. Fabienne Lavanti, bonjour. De Turbulence, on a travaillé longtemps avec des personnes autistes pendant une dizaine d'années et on a fait plusieurs créations, c'était une super expérience. Muriel, bouillon de ventre, et là, à Jardin, ça y rassemble en dedans. Dedans de Kirill et dehors d'Anatolie, ça bouillonne d'intestinale polychronie, tantôt vague, tantôt aiguë. Waouh! Alors, Johan, bloc cerveau, pas mal.
Jésus Calderon, on va le faire, allez, on va le faire. Oh là là, il y a plein. Allez, on y va. Jésus Calderon, donc une personne, bonjour, et bloc cerveau de Johan. Allez, on va mélanger ça, bloc cerveau. Et chers amis, on n'est pas très, très, très loin de la fin. Alors, agitez-vous pour poser des questions, envoyer des mots ou des sensations. Alors, bloc cerveau. Phonésie 7. Bloc. Un bloc. Bloc. Un bloc de l'eau. Un bloc de l'eau. Un bloc de l'eau. Un bloc de feu, de l'eau, de feu, de l'eau, terre. Un bloc de terre. M'a fait tomber. Alors, Muriel, du flou ou du net? Du net ou du flou? Avec des petits soignements kyrillesques et flottants pendant que Björk, expert en tasse d'huile et précision d'hirondelle, berceuse triste, déchirante, ça avance la tâche menaçante dans les cercles effrayés d'Anatolie qui va y être pris. C'est sûr, coincé, ça y est, tu es coincé, mais tu sors par l'embrasement. La mouche s'est fait prendre dans la zone d'œuf. Oh, c'est beau, la mouche dans le jaune d'œuf. Lydia, musical network, ce soir. Ok, on va faire ça. Il n'y a que des consensuels qui peuvent rougir en zone bleue. Un rougir tache d'ambre, des couleurs qui se mêlent avec les curieux tressatements, tressautements pendant que les têtes bégayent aussi, se butent à ce magma visqueux qu'il ignore. Pendant qu'il en sert rêve ou cauchemar. Eh bien, alors, on va mélanger pour la fin, on va mélanger plusieurs choses. Alors, il y a Claude qui m'a envoyé un tableau de fluide. Ah oui, ok, très bien. Alors, un tableau de Desparties, 1942. Donc, je vais danser à partir de ce tableau. Je vais prendre le mot de Lydia, fluide, les fluides. C'est très beau, les fluides. Et je vais prendre quelque chose de Muriel. On va dire les bégaiements, bégay oscillant, les fluides. Et c'est la dernière phonésie pour ce soir, chers amis. On a déjà bien dépassé notre temps, mais c'était avec un grand plaisir. Alors, les fluides et les bégaiements oscillants. Les bégaiements oscillants. Les fluides et les bégaiements oscillants de Muriel, les fluides de Lydia et le tableau de Flo. Les fluides et les bégaiements oscillants. Les flux, 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 les flux
Kéwen, ma chère, t'es arrivée à la fin. On est en train de finir. Ma chère Kéwen, bah d'ailleurs, on est chez Kéwen, ici, dans le temps du corps. Stanislas Makowski, mon cher, bonjour. Vous êtes tous là, avec un grand plaisir. Alors, Kéwen, si tu me donnes très rapidement un mot que tu veux en chinois ou en français, ça serait avec un grand plaisir. Sinon, on va, je pense, très vite terminer. Stanislas, si tu peux donner un mot exceptionnellement pour la maître de la maison, ici et maintenant. Ça va, Kéril ? Tu vois bien ? Super. Super, génial. Je suis toujours là. C'est toujours là. Alors, quelqu'un nous donne quelque chose ? Muriel, tu nous donnes un petit... Oh, Muriel, pardon. Kéwen, tu nous donnes un petit mot ? Stanislas, alors... Bon, allez... Ou alors je prends quelque chose encore de notre cher patriote communiste et activiste Muriel Roland, une activiste de la poésie Kalachnikov. Allez, donc le casque noir arrive, ça va faire mal. Voilà. Ah tiens, tu donnes... Ah voilà, 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 Stanislas. Распространение. Ok, très bien. Alors, Stanislas proposait распространение. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire пространство, c'est l'espace, et распространение, c'est dispersion dans l'espace, quelque chose comme ça. Allez, on va faire... Propagation. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Propagation. Je Propagation. Pense. Ah ben voilà, Thierry, bravo pour me soutenir dans mon manque de vocabulaire français. C'est génial. Alors, toi, tu as des souhaits, Kirill, d'ailleurs. Est-ce que tu penses, tu veux quelque chose de particulier pour la fin? Mais non, ça va, on continue, on se propage. Génial, très bien. Alors, je lis... Karine Roulet, oh ma chère, comment tu vas? Je t'embrasse très fort, je ne sais pas où tu es, à Paris ou je ne sais pas où. En tout cas, il faut qu'on se voit bientôt, tu vas me montrer ton petit enfant. Puisque tu es maman maintenant depuis un moment, je crois. Alors, je lis le commentaire de Muriel et on va faire le dernier. Voilà la carte du monde qui s'écrit. C'est malade, c'est très malade, ça envahit tout. Les pays se dépaysent, les ombres avancent. Anatolie rejoint le blanc du tableau. La sirène se noie dans le fleuve du sang ardent, taché soudain d'un noir de cendre. Le deuil, ça pleure. De qui le deuil? Mais ça pleure partout, dans la peinture et dans le corps, ça pleure. Ça déchire d'une sale douleur inconsolable, marbre, la fossile des chagrins. Vas-y, Kéril, envoie-nous du sang, que ça crache, que ça gifle, que ça chicle. Oh, Kéril, d'ailleurs, Muriel t'adresse la parole. Ça devient rupestre, l'aube renaissante du monde. On recommence au néandertal avec des traits rassurants. Ouf, ouf, la fissure, la trace, le trait nous manquait jusqu'à l'angoisse. Oh, c'est beau, Muriel. Allez, donc pour la fin, распространение jusqu'à l'angoisse de Muriel. Allez, on va faire quelque chose de très
de très... Comment t'as dit, Kirill, распространение, c'est quoi déjà en français? Propagation. Propagation, oui, merci, j'oubliais. Alors, la propagation, распространение, est de l'angoisse du Muriel. Allez, phonésie 10. La propagation de l'angoisse terrible. La propagation. Un sillon de pas à propagation de l'angoisse Muriel, de l'angoisse Muriel, de langue, c'était pour toi, ma chère Muriel. Je t'aime fort. Tu le sais bien. Même si je suis un peu... Gilda Duchesne. Bonjour. Allez, mon cher Kirill. Comment ça s'est passé pour toi? Super bon, bien. Très, super. Très content. Ravi. Génial. Tu viens nous dire au revoir un petit au revoir, peut-être à travers ta peinture. Oh là là là, ouais, trop bien. Bon, mon cher, merci beaucoup pour ta participation. Et merci pour vous tous d'être là et de nous suivre et de participer, surtout parce que c'est ça, c'est une performance interactive. Et je suis ravi que cette performance crée une espèce d'écosystème des arts créatifs, puisque vous allez voir, non seulement Muriel fait de la poésie, mais il y a aussi Najak, je crois qu'il n'était pas là aujourd'hui, mais elle va sûrement faire des dessins. Et Miklos va faire des montages photos, voilà. Et peut-être quelqu'un fera d'autres mixages sonores. Donc la création dans ce projet circule dans tous les sens. Donc elle ne va pas seulement dans une direction, mais elle va dans les multiples directions. Alors si vous avez aimé, likez, partagez, c'est important, dans ce monde de grands réseaux Big Data. Et j'espère vous voir très bientôt, c'est-à-dire lundi prochain à 20h30. Avec un grand plaisir, on va créer ensemble. Je vous embrasse très fort. Merci encore Kirill, et merci Muriel, et merci tous les participants. Moi, je vous aime.